Oussenge, bonne année. L'honorable Bampori qui Jean-Marie se prépare, si le groupe est encore dans le délai. Honorable Président, je sais qu'il y a un problème de temps. Je préfère résumer le document que j'ai préparé pour l'Assemblée. Le texte, vous le trouverez dans la presse, je l'ai mis là-bas. En résumé, je voudrais parler de la question de la sécurité. Le Premier ministre, quand il a été désigné, il a promis de résoudre le problème de sécurité à l'Est. Notamment, nous attendons le retrait de l'armée monoethnique qui règne en maître depuis plusieurs décennies à l'Est. Nous voulons rappeler que cette armée qui sème la terreur est installée depuis la création de la rébellion RCD. Sous le E+4, la même armée est maintenue. Mutabishi vient de Bukavu, il s'installe à Kichanga, au nord Kivu, plus rien ne bouge. La même armée devient CMDP, la même armée devient Bosco Baganda, et ce sont les choses qui se font et se refont. Je voudrais en appeler à la communauté nationale ici représentée pour dire que la population en a assez avec les politiciens de l'Est du pays. Il faut que les gens le savent. Les députés du Nord Kivu se sont réunis la dernière fois, ont déposé un mémorandum qui sied chez le président ici. Ils disent que les tirs de ficelle sont bel et bien ici à Kinshasa. Pourquoi, monsieur le Premier ministre, vous ne voulez pas qu'on le pointe du doigt? Que protégez-vous, monsieur le Premier ministre? S'il y a insécurité, puisque les gens de l'Est, qui ont commandant suprême de l'armée, ils ont eu ministre de la Défense, que voici. Ils ont eu tout, conférence de Goma, toujours Pango. Conférence de c'est toujours eux. Pourquoi ils ne veulent pas parler de qu'est-ce qui ne va pas chez eux pour qu'on demande maintenant à l'Ouest d'intervenir? Comment l'Ouest va intervenir sur des questions qu'ils veulent cacher? Disons ce que vous ne savez pas. Premier ministre, ouvrez la boîte, qu'on vous dise que tel est dans cette affaire. Qu'on vous dise cette armée monoethnique, nous ne voulons pas du tribalisme militaire. Monsieur le Premier ministre, vous entretenez l'armée ethnique sur place. Pour quel intérêt? Alors, si vous ne voulez pas, dites que c'est votre affaire, vous êtes prêt à vendre le pays. Si c'est ça votre affaire, n'embrouillez pas la nation et dites-le nous clairement. Nous voulons faire savoir ici que si ce gouvernement ne décide pas de terminer l'affaire en prenant les militaires monoethniques qui sont là-bas, alors, disons-le clairement, vous trahissez la nation. Il ne faut pas qu'on ait peur de vous le dire. Je crois qu'il faut le noter, la nation en a assez avec cette question de tourner autour du pont, autour de la, quand on vous demande de relever les militaires qui y sont depuis longtemps, nous sommes prêts à vous dire, tel citoyen qui est ici est dans cette affaire. Vous ne voulez pas qu'on le dise. Pourquoi? Donc, je crois que ce n'est pas nécessaire de dire plus que ça. Je conclue en disant que la ville de Goma, pour tendre la main à l'Ouest, a voté contre Villa Kikanda pour lui dire, nous, les gens du Nord Kivu trahissent. Vous de l'Ouest, venez nous aider. Demandez à ces gens pourquoi ils trahissent leur pays. Demandez à ces gens pourquoi on soutient les pays voisins à dominer leur pays. Mais ces pays voisins-là ne nous aident à rien. Quel est le problème? Je m'arrête là pour dire que si le Premier ministre est actuellement nommé, lui n'aura pas d'excuses. Son prédécesseur, on peut l'excuser, il ne connaît pas les affaires de l'Est. Mais lui, il y a vécu. Si, encore une fois, comme le ministre de la Défense, le ministre de la Défense sortant, il a déclaré ici, en réponse à ma question, qu'il va retirer tous ses militaires. Il vient de quitter, il ne les a pas retirés. Vous aussi, si vous ne sortez pas ces gens-là, nous dirons que
vous vous attendez quelque part pour vendre l'Est, alors ne dérangez pas tout le monde, c'est votre affaire, vous aurez vendu, on s'arrête là, merci beaucoup. Merci.